Let's go! Putain, j'ai pu le lancer quoi. Le ménage sur le disque dur qui a pris trop de temps pour que je puisse enregistrer cette vidéo. Ouais, j'accepte. Je vends mon âme au diable, t'inquiète gros. Y'a un problème, c'est moi qui prends tout. Oui, j'accepte. Si jamais la terre venait à crever, c'est ma faute. C'est pour ça que j'ai enregistré, c'est pour la création du personnage. Je savais qu'il y a une création de personnage. Mais c'est tellement de temps que j'ai pas rien, je me souviens plus. Alors, les vétérans sont les soldats de l'Astra Militarum, sont renommés pour des... sont renommés pour être des guerriers chevronnés au service de l'Empereur de l'Humanité. Les fanatiques sont des guerriers pieux ayant une rage et une ferveur pour l'Empereur qui les mène dans des endroits où des personnes moins zélées n'oseraient pas s'aventurer. Pardon. Psycheur. Les mutants psychiques ou psycheurs puissent dans l'immatérium pour charger leur redoutable capacité psychique à l'impérial. Ils sont vus avec méfiance, vous savez, comme des psychologiques. Ils se servent du warp. Ogreen. Ouh, des gros monsieur muscles. Les Ogreen sont des abhumains. Je crois que c'est comme ça. Des abhumains énormes et puissants qui sont souvent utilisés comme troupes de choc pour l'Astra Militarum. Ils sont forts et fidèles, mais leur intelligence est limitée. Et moi taper caillou. C'est vraiment ce... D'accord, ok, je vois le... Moi, c'est à partir de direction fanatique. Ouais. Ah, attends. Wait a minute. Détail. Ouh, tu peux voir ce qu'il y a. Attends, fais péter. Tir de volée. Passez en posture à distance. Vous équipez instantanément votre arme à distance. Vous infligez un dégât à distance. Temps de recharge en secondes. Blitz... grenade fort en mutation qui peut prendre cours délai. Récupère... 0,75% de munitions pour vous et les alliés en syntonie. Je sais pas ce que c'est une syntonie. Lorsque l'un d'entre vous élimine un ennemi spécialiste ou d'élite, cet effet ne peut se produire que tous les 5 secondes. Je suppose que syntonie c'est genre en même temps. Classe emblématique peut regarder au-dessus en cas de couperissement à couvert grâce à l'utilisateur du viseur. Et les armes uniques sont les pelles de combat et les fusils à plasma. Genre, vu que je vais prendre psychique, fanatique, je vais le garder pour la fin. Psycheur. Fureur psycho. Psychokinésiste. Hébert une vague d'énergie du warp faisant vaciller les ennemis devant vous. Réduit le péril de 10% en charge de seconde. C'est l'air sympa la joie sur l'écran. Chargez votre pouvoir psychique et déclenchez-le pour infliger des dégâts élevés à un seul ennemi. Efficace contre les ennemis en armure légère et en armure en carapace. Et ça s'appelle explosion cérébrale. L'aura sera l'accès. Je suppose que l'aura c'est le passif. Blitz c'est une compétence active et capacité c'est l'ulti. Je suppose que c'est ça, mais dans le doute. Ou alors peut-être que l'aura c'est aussi une compétence active, je sais pas trop. Arme unique, épée de force, bâton de force. Des épées? Les psychiques, ils ont des épées, celui-là. Les ogrides, je suppose c'est un truc genre jeter des grenades. Enfin des genre des énormes grenades. Capacité, charge musclée. Chargez vers l'avant avec force. Vous repoussez les ennemis et les faites vaciller. Vous gagnez 25% de vitesse d'attaque, 5 secondes, la charge s'arrête en cas de collision avec un ennemi en armure carapace, un ennemi implacable ou une monstruosité. Ok. Blitz, grosse caisse à souffrance, lancez une caisse de grenade. C'est pour un fichet, une caisse à grenade. D'accord. Aura, présence intimidante. Plus 7,5% de dégâts d'attaque de mêlée puissante pour vous et vous allez en syntonie. Classe emblématique, réduit les dégâts de robustesse subis. Plus 1%. Excuse-moi. Réduit les dégâts de robustesse subis de 20%. Et réduit les dégâts subis de 20%. C'est pas la même chose. Robustesse, c'est peut-être dans la vie. Je sais qu'il y a une sorte de bouclier. Vous pouvez aider ou réanimer les alliés sans interruption, même lorsque vous subissez des dégâts. Bouclier colosse et gantelet lance-roulette pour les armes. Je suis en train de me dire. Peut-être que Saint-Tonie, en fait, c'est les personnes de même classe. Je suis en train de me dire, c'est peut-être ça. Et enfin, fanatique. Alors, châtier le mal. Effectuer une ruée vers l'avant et régénérer. Moi, je dis toujours régénérer. Mais bon.
et régénérer 50% de robustesse. Votre prochain coup en mêlée gagne 25% de dégâts et le coup critique garanti. Ah oui, putain, c'est pas mal, oui. Il fait vachement mal, quoi. Lancez une grenade attourdissante qui électrocute et étourdit les ennemis dans son rayon d'explosion. La volonté de l'empereur. Plus 7,5% de réduction de dégâts de robustesse pour vous et les alliés en Saint-Denis. Arme unique. Épée tronçonneuse à deux mains. Lance-flamme. Putain, lance-flamme. Oui, vraiment. D'accord, et bah, prends ça. Alors, monde d'origine. Bah, là, ça tombe bien parce que c'est dans le truc que je ne connais pas. Voilà, parce que je suis pas du tout un fan. Enfin, je suis pas un fan. J'aime bien, mais ou sinon, je suis pas un fan de Warhammer. Je connais pas grand chose. Mais j'aime bien l'univers. J'aimerais jamais y être, mais d'un point de vue que ça, c'est bien. Alors, les domaines, monde d'origine. Le domaine de Moebian est rempli de mondes établis, de colonies naissantes et d'unités de peuplement lointaines. Et même après un si long voyage, il y a toujours un endroit où vous serez chez vous. Rossiria. Un petit agrément spécialisé dans la culture intensive de céréales. Les Rossiriens sont la cible de nombreuses moqueries considérées comme arriérées par d'autres Moebian. Ils sont pourtant extrêmement honnêtes et très travailleurs. Ok, c'est les Pégus donc. Messelina Gloriana, une lune densément boisée qui sert de monde sanctuaire mineur. J'y arriverai. Messelina Gloriana dispose de peu de ressources et d'une faible population, mais elle a acquis une importance stratégique depuis la chute de sa voisine Comaris. Pavan, colonisé relativement récemment, Pavan est d'ores et déjà un monde autonome, riche en ressources naturelles, et sa population s'accroît rapidement. Cadia, autrefois le monde forteresse le plus célèbre de l'Empire de sa chute, a marqué le début de l'ère Indomitus, la sombre Imperium. Cadia broke before the guard did. Je sais plus, non, je sais plus comment ils disent, tu sais. Ou je sais plus, mais il y a un saying, il y a une citation comme ça. Je sais plus c'est quoi. Mornax, un petit monde mineur maussade connu pour ses conditions de vie infernales qui produit une population célèbre pour son austérité et sa tenacité. Austérité, c'est dire quoi? Alors, que veut dire austérité? Eh oui, je ne suis pas un pro en français non plus, voilà, comme en anglais, je suis un pro nulle part. Et austérité n'est pas un mot que je connais, enfin je l'ai entendu plein de fois, mais j'ai jamais compris la définition réelle du mot. De ce qui est austère. Merci, merci. Gestion stricte de l'économie d'un pays, avec des mesures restreintes. Synonyme rigueur, et voilà, merci, synonyme. Parce que vraiment, définition caractère de ce qui est austère. Merci gros. Mais si je sais pas ce que veut dire austérité, je sais pas ce que veut dire austère, tu vois. Bon bref, donc rigueur, donc c'est rigueux. Rigueux, ça se dit pas, mais bref. Ensuite, Crucis, considéré comme le second monde du domaine de Moebian, Crucis est un immense monde sanctuaire et un lieu de pèlerinage populaire. Incron, ou Incron, je sais pas. Dans un monde océanique, la population d'Incron habite sur de vastes îles aux ruches. Incron est le dépôt naval principal du domaine de Moebian. Branx Magna. Branx Magna est un monde industriel florissant avec la densité de population la plus élevée du domaine de Moebian. Ces milliards d'habitants travaillent jour et nuit dans des manufactorums de la taille de continent. Ah oui, quand même. En effet, oui, c'est pas mal. Alors, voyons voir. Donc déjà, on va pas prendre Cadia. Pour moi, ça c'est pour. Ça, j'aurais pris vétéran pour Cadia. Pour la garde, quoi. Voyons voir. Mornax me dit bien. Franchement, il me dit bien. Conditions de vie infernales, austère, tenace. Ah, c'est un des trucs que j'aime bien. C'est des mots qui me sonnent bon. Second monde. Classique. Incron, je suis pas trop dans les mondes océaniques, malheureusement. Broxana, j'ai jamais été dans les mégapoles, sa mère, tu vois, bien rempli. C'est pas mon kiff. Il y avait quoi ensuite? Il y avait Pavan. Ouais, autonome, riche en ressources, ça me paraissait trop calme. Même si je pense que c'est Warhammer, ça peut pas être calme. Mais voilà, par rapport aux autres, ça me paraissait calme. Ça, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Et puis bon, ça c'est pigu. Non, mais je pense que je vais prendre Mornax. Hein. Ouais, on prend de surmorcer. Alors, enfance, le caractère se forge pendant l'enfance. Du moins, c'est ce qu'on dit.
Enfin, c'est ce que l'on dit. Comme tant d'autres, vous avez été à une rude école parmi les ténèbres du 41e millénaire. Mais contrairement à la majorité, vous avez survécu. Vos cicatrices en témoignent. Sentinelle de tunnel, la quête de la militaritude minière. Alors, sentinelle du tunnel. Sentinelle de tunnel, en pleine croissance et encore capable de se faufiler dans des espaces restreints, les jeunes de la ruche font d'excellentes sentinelles de tunnels dans les mines. Un travail périlleux, des blessures graves finalement, et mon corps. Alors j'ai juste une question. Si je prends d'autres mondes, est-ce que j'aurai d'autres enfances? Genre, ça m'étonnerait qu'il y ait des mines dans... Où est-ce qu'il est? Dans Incron, tu vois. Ah oui, putain! Bon, il y a toujours d'autres trucs qui ont surpris, genre, mais il y a aussi... Récure Mélas, conscrit de la Navis Impériale, stylé. Pavan. Ah oui, quand même. Attends, mais du coup, il y a quoi dans Brax Magna? Ah, il y en a plein. Apprentissage populante, mioche de ruche, progna, bête de somme. Ouais, je vais pas tout lire, mais... D'accord, oui. J'ai pris le monde où il n'y avait que 3. Ah non, il y a aussi ça. Fais voir, attends, il y a quoi chez les PU? Ouais, bon, bah, il y a des trucs de PU. Bon, reprends mon axe. Alors, du coup... donc sentinelle de tunnel, j'avais lu. La quête de la milice. Les jeunes d'une milice planétaire ne montent quasiment jamais en grade et ne connaissent que rarement la gloire. Avec un peu de chance, ils acquièrent des compétences de survie en arpentant les tranchées et en transportant les munitions. Servitude minière. Les places dans les orphelinats impériaux ne sont pas données. Les orphelins en bonne condition physique sont souvent envoyés dans les mines où ils doivent effectuer des travaux éreintants pour rembourser leurs généreux bienfaiteurs. Ouais, d'accord. J'ai bien pris. Oui, c'est bien classique ça. C'est juste, je vérifie quand même. J'ai l'impression que la quête de la milice est partout. Alors, vu que la quête de la milice est partout, j'ai l'impression. Je vais pas le prendre. Parce que ça me paraît trop générique. Voilà. Je fais ce que je veux. Puis ensuite, entre sentinelle de tunnel et servitude minière. C'est un travail périlleux. Les blessures graves et la mort, ils sont monnaie courante. Mais c'est en fait, genre, ils expliquent pas c'est quoi les sentinelles de tunnels dans les mines. Genre, quoi, c'est les mecs de reconnaissance, ils vont dans les tunnels et puis s'ils meurent, tant pis pour eux. Puis je pense que je vais prendre ça. Hein. Alors, jeunesse, durant l'enfance, les gens comme vous. Oh, je viens de remarquer, ça change le symbole, c'est stylé en haut là. Bon bref, jeunesse, donc durant l'enfance, c'est les gens comme vous, non. Pas l'embarras du choix, vous avez dû trouver un moyen de surmonter les épreuves de la jeunesse loyalement ou bas. Et là, il y en a. Script subalterne. L'interminable engrenage du travail bureaucratique de l'adeptus administratum est pétri d'ennuis, mais aussi de dangers, car les plus ambitieux ne reculent devant rien. Pour faire avancer leur carrière, nombre de scribes ont perdu la vie lors de disputes pour une meilleure lanterne ou un bureau plus proche du système de refroidissement. Foutez de ma gueule. Pèlerinage. Un pèlerinage est un voyage à la fois physique et spirituel qui renforce la foi des adeptes. Des adeptes, pardon, ferveur. Pas ferveur, fervent. Des adeptes fervents dans l'empereur de l'humanité. Un pèlerinage vers un site sacré prend. Peut prendre des années à achever et emmènera les fervents voyageurs loin de leur monde d'origine. Ça, ça a l'air bien, tu vois, puisque j'ai pris un adepte. J'ai pris un bon cultiste, là. Blessure. Depuis l'ère des luttes, la majeure partie de la population n'a pas confiance en la technologie et ne la comprend pas. La plupart des machines sont anciennes et sujettes à des dysfonctionnements dangereux. Autonomie. Même les secteurs les plus civilisés du domaine de Moebian sont en proie à toutes sortes de menaces, mutants, psycheurs et négas, cultistes et autres. Dans le monde impitoyable des ruches inférieures, chacun doit trouver un moyen de se frayer un chemin parmi cette myriade de périls. J'ai pas capté. Oui, en fait, non, c'est juste que je me démerde dans un monde de brutes, quoi. D'accord. Élimination, les adeptes les plus zélés du culte impérial sont convaincus que les hérétiques et des traîtres ont infiltré tous les niveaux de la société impériale. Parfois, c'est même vrai. Oh putain, élimination, elle a l'air pas mal. Isolement, les décrets bureaucratiques arbitraires de l'adeptus administratum peuvent enrôler ou déplacer la population de tout un bloc résidentiel, souvent sans raison valable. Ok, d'accord. Véritable vocation, le culte impérialiste revêt des formes diverses, mais toutes... Vénère l'empereur. C'est la seule religion autorisée au sein de l'un. Alors attends. Putain, mais il y en a plein qui sont bien.
Enfin, il y en a trois là. J'ai véritable vocation, illumination ou pèlerinage. Ah putain. Ah, je sais pas, hein. Ça, en vrai, je vais pas prendre celui-là parce que ça fait un peu taré. Enfin, ils sont tous tarés dans Warhammer. Mais genre, comment dire, c'est un peu parano, j'en vois partout, tu vois. Moi, j'ai foi en l'empereur. Je sais que dans ma ville, il y en aura pas beaucoup. Donc, je vais pas prendre celui-là, même s'il est un peu bien. Il est un peu bien, il est très bien. Donc, j'ai le choix entre véritable vocation et pèlerinage. Donc là, je fais quoi? Je fais un voyage pour renforcer ma foi. Ça améliore aussi mon physique, puisque ça peut prendre des années. Et ça prouve ma détermination. Véritable vocation. Je suis un fanatique. Je suis un putain de fanatique. Oh, bon, pèlerinage en direct. Alors, moment déterminant. Vous avez enduré bien des choses. Ce combat que vous appelez la vie l'exigeait. Parmi les revers et les victoires, un incident reste gravé dans votre mémoire, qui a façonné votre personnage plus que toute chose. Plus que toute autre chose. Alors, incident de mutants. Rendu difforme par une anomalie énergétique ou corrompu par le chaos, les mutants sont méprisés par l'Impérium. La plupart des agences impériales font de l'intolérance envers les mutants un parti fondamental et considèrent la mutation comme une malédiction qui mène à la corruption. D'accord, mais c'est quoi l'incident? C'est genre moi je suis devenu un mutant? Ou genre c'est juste je suis un raciste des mutants? D'accord, bon. Un artefact étrange, Adeptus Ministorum, souvent connu sous le nom d'Ecclésiarchie. D'Ecclésiarchie, pardon, c'est avec un CSE. Alors attends, j'en fais. L'Adeptus Ministorum, souvent connu sous le nom d'Ecclésiarchie, est obsédé par les recherches des reliques sacrées des saints et martyrs. La plupart se révèlent être de fausses n'ayant aucune valeur, mais ça n'empêche pas le commerce intensif de phalanges sacrées, d'orteils momifiés et de tonsures bénies dégueulasses. Quoi des tonsures? J'ai pas envie de... Je veux même pas y chercher, c'est encore une partie du corps dégueulasse. Donc, je suis marchand d'artefacts, d'accord. Ou alors je me suis procuré un... Maladie. Donc soit je suis malade, soit j'ai été témoin d'une... Bref. Dans les blocs résidentiels et les manufactorums surpeuplés d'une ruche classique, la maladie est souvent très répandue. Les nobles indifférents voient souvent ces épidémies comme un bon moyen de se débarrasser des faibles, sachant pertinemment qu'il y aura toujours des masses de travailleurs prêts à les remplacer. Donc j'étais malade. Les voix, dans la plupart des métiers, entendre des voix est perçu comme un signe de folie, mais pour certains membres de l'ecclésiarchie et de la Scholastica Psychana, de tels messages sont souvent une source d'inspiration, car ils peuvent être un signe de la communication divine de l'empereur Dieu. Ça j'aime bien. J'entends des voix, ça me paraît bien. Contact avec un culte. Lorsqu'une hérésie est découverte au sein d'une population civile, il n'est pas rare que la suspicion de complicité s'étende au reste des habitants. La souillure du chaos ne doit jamais être sous-estimée et face au regard inébranlable de l'Inquisition, l'innocence ne suffit pas. Ok, mais je vois pas ce que c'est. Genre, donc j'ai pris contact avec un culte. Donc je vois pas le rapport avec le. Avec la description. Bon, c'est pas grave. Attends, si comme j'aimerais bien comprendre. Suspicion d'hérésie, vu que ça peut aller partout. J'ai pris contact. Ah, d'accord. Je suis allé vers un culte, les gars, je suis pas hérétique. Ok. En cavale, ouf, au sein des gangs et guildes qui dominent les ruches, les infractions sont souvent sanctionnées par des dettes de sang qui doivent être honorées sous peine de mort. Ceux qui essaient d'échapper à leurs dettes de sang sont poursuivis sans relâche par des agents par des agents des gangs ou des tueurs à gages. C'est qu'ils sont pas mis. Ah non, c'est des agents des gangs. D'accord, c'est les agents qui viennent des gangs. C'est pas des agents puis des gangs. Puis... Okay, bref. Je vais pas prendre ça. Rencontre avec des hérétiques. Depuis l'hérésie d'Horus, quand même, les ennemis intérieurs, les traîtres, les hérétiques et les renégats, sont particulièrement détestés par les citoyens loyaux de l'Empire. Logique, ceux qui se détournent de la lumière de l'Empereur n'auront droit à aucune clémence. D'accord. Et j'ai fait une rencontre. Moi, franchement, les voix me paraissent géniales, mais j'hésite un peu avec rencontre des hérétiques ou contact avec un culte. Non, je pense que je vais prendre les voix. Les voix, c'est génial. Ah, enfin, ce pourquoi j'étais là. J'adore les backgrounds. Mais...
personnage aussi. Alors, morphologie, déjà. Oui, faisons-nous une meuf, hein, pourquoi pas. Alors, est-ce que... D'accord, j'ai pas de... Je peux pas changer le... Comment dire? Je peux pas faire le visage moi-même. Donc, faut que j'en prenne un qui est déjà très bien. Alors, juste avant, style de coiffure. C'est juste pour que je puisse voir bien la gueule. Alors. Celui-là est pas dégueulasse. Pour une Warhammer, hein, le but c'est pas d'être beau, je peux pas te mentir. Oh, une Asiate! Putain, il y a encore des Asiates dans Warhammer. Oh putain, elle tu sens qu'elle a vécu. Ouais, bah c'est normal, c'est celle du d'en haut. En vrai, franchement, l'Asiate me dit bien. Bon, elle est dégueulasse, mais. Bon, on est dans Warhammer, le but c'est pas d'être beau. Let's go, hein. Ça part sur la diète. Hein. Fais vent. Ouf. Oh, ouais, je suis blanc. Oh, je suis noir. Prends ça. Voilà. Fais voir là. je suis niqué des mères. Ok, alors les yeux. Oh, je peux avoir un œil aveugle. Oh oui. Oh, ce serait. Je veux pas être full aveugle. Vas-y. Et après, je vais mettre une cicatrice sur l'œil si possible. Pour ça, on va prendre ça, ouais. Et ma couleur d'œil. C'est quoi ça? Disponible pour monde d'origine Katia. Oh! Sympa. J'ai rien à prendre rouge, mais le problème, c'est que c'est pas rouge-rouge. Genre, c'est plus. Je sais pas comment dire. Non, mais on va prendre comme ça. Ouais, je suis bien. Ensuite, style de coiffure. Alors, qu'est-ce qui irait bien à une fervente croyante de l'empereur Dieu. Ouf, oh, c'est laid. C'est pas fait pour être beau, mais j'ai pas non plus envie de ressembler à rien. Donc, on va quand même prendre un truc quelque peu. Quelque peu. Comment dire? Sympathique, non? Celle-là est pas mal. Oh putain, oh oui! Oh putain, oui! Oh, celle-là, elle me dit bien, celle-là. Oh, c'est moche. Comment c'est laid? Ah, il y a toujours la petite. Il y a toujours cette coupe-là, classique, hein. Ouais, non, on va prendre celle-là. Celle-là me dit bien. Alors, en termes de couleur, qu'est-ce qu'on a? Je vois pas la diff. Il y en a un qui est légèrement plus rouge, j'ai l'impression. Oh, mec, en noir. En noir, noir. En noir, bien noir, là. Oh, putain. D'habitude, je mets toujours en rouge. Mais vas-y, gros. Enfin, je mets toujours en rouge. Je mets toujours en noir avec des mèches rouges. Sinon, je mets en rouge. Ou en noir, tout dépend de la perso. En ce moment, je mets beaucoup plus de noir que de rouge, je vais savoir pourquoi. Bah ouais, vas-y, go noir, hein, direct. Alors, pilosité faciale. Pas de pilosité, ça m'arrangerait, mais voyons voir. Ah oui, d'accord, c'est le... Non, pas mettre... Repent. Repenti. Bien marqué en dessous du sourcil, tu sais. Ouh, le monstre. Oh, c'est ignoble. Oh, je sais pas. Bon, il m'en faut un qui me mette bien vénère, genre. Toi, tu me mets bien vénère. Après, celui que j'avais de base, ils sont pas mal. Hein. Peut-être un peu trop fait au feutre. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont juste dessinés dessus, je sais pas pourquoi. Oui, non, on va prendre ceux-là. Ceux-là, ils mettent bien vénère. Get comment je suis vénère. Je fonce les sourcils carrément. Ok. Ensuite, tatouages faciaux. Et il y en a... Putain, il y en a 18. C'est pas mal. Alors,
Duty is forever. Je vois ça sur la nuque. Ça met autre chose? Oui, ça met autre chose. Ah, attends, je vais remettre les. Je vais remettre la coiffure. La coiffure qui me donne pas de truc. Mais c'est juste histoire de pouvoir voir les tatouages au complet. Donc, Duty is forever. Ça met une petite croix, un petit A. Ok, ça reste des constructeurs. J'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la nuque. Quelque chose in this service. Rejoin. Je crois qu'il y a ma. Rejoice. Ouais, c'est de rejoindre le service, quoi. Oh! Alors, il est bien, mais il se voit pas avec ma coupe de cheveux, donc c'est un non. Si j'ai pas de conneries, hein. Oh, si, c'est vrai. En vrai, si vu que je vais mettre mes cheveux, c'est rien, il faut plutôt que je regarde, que je voie avec mes cheveux. Hein. C'est un peu le but, en vrai. Donc, si c'est vrai. Duty is forever! Ok, bon, on prendra rien. Purge Penance, génial celui-là. Le 3, je l'aime bien. Avec les deux yeux là. Parce que j'entends des voix, je vois des choses. C'est un nom classique, trop simple. Peut-être deux morts avec un 1 sur l'œil droit. Classique. Oh. Oh, je l'aime bien celui-là. Celui-là, j'aime bien. Donc, on retient le 6 et le 3. Ouais. 6 et 3, on retient. Ensuite, non. 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 Pourquoi pas, mais non. Oh putain, la petite fleur de lys en mode Battle Sister là. Je serais même presque tenté de prendre ça, mais non. Ah, en plus, attends, mais je me suis fait. Yeah. Je vois, il y a réellement des cils dessinés en dessous là en mode tatouage. C'est quoi, les sœurs de base, ils ont pas de sourcils? Purge! Ah, une petite dent sur le côté. Ou une tête de morceau. Bon, écoute, ça va se jouer entre le 3 et le 6. C'est pas le 6, c'est le 11. Trou de balle. C'est un X, pas un V. Putain, oh, je sais pas. Je ne sais pas lire les chiffres romains, ça y est. On dirait vraiment un membre de gang. J'ai vraiment esquivé l'événement gang dans ma vie juste pour y ressembler. C'est pas fait exprès. Hein. Et c'est juste que j'aime bien ce style. Ouais, non, je vais prendre 6. Hein. Putain, 11. Bref. Tatouage corporel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit rien. Forever, yes sir, forever of course. Ok. Oh, j'aime bien, c'est simple. Et juste pour la petite chaîne, j'aime bien. C'est quoi, il marque quoi? The love, oui. Sick. J'arrive pas à lire le dernier mot. The love we share, ok. We share. Tout à fait, tout à fait. Ou alors attends, c'est écrit en minuscule sur son bras là, gros. Moi, je pourrais pas lire. Ok. 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 Ouais. Franchement, c'est pas non plus des tatouages de ouf. Hein. Ils sont sympas, il y en a pas trop. C'est bien. Un lion? C'est un lion et un quoi en bas, là? Je vois pas. Je vais pas savoir ce qu'est le bestiole, ça. Oh putain! Il y en a pas trop, bam! En plus, avec ma gueule full tatouée là. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Il est marqué Fury? Putain, c'est con. Moi, j'ai celui-là. Pourquoi il est bien celui-là pour l'araignée avec sur le côté? Encore la petite fleur de lys. J'aime bien la fleur de lys. J'arrive pas à savoir ce qui est représenté au niveau des épaules et de la nuque. C'est peut-être deux morts enchaînées. La 16, j'aime bien. D'accord. Donc c'est soit la 16, soit la. Elle est où? C'est pas celle-là. Elle est où ma chaîne? C'est laquelle déjà?
ou la 5? Franchement, on prend celle-là. Ouais. Cicatrice. Alors, j'ai pas de cicatrice. Ensuite. Est-ce que ça en met aussi sur le corps ou pas? Pas impression, ça en met que sur le visage. Ok, ça en met que sur le visage. J'ai une brûlure. J'ai deux brûlures. Et une découpe. Je fais une découpe. Ok. Ah, ça c'est à mirer là pour l'œil justement. Ça c'est le mauvais œil malheureusement. Ça c'est le bon. Ça c'est le bon ça. Celui mirait bien. Ok. Non. Celui-là est bien. Là attends, j'ai quoi en section? J'ai le 12. Le 12, le 11. 12, 11, 9. 9, 9, 11, 12. Ah, lui, c'est le truc classique, juste une coupure. Net. Ça, c'est ce que j'aime aussi. Donc, 9, 9, 11, 12, 17. 9, 11, 12, 17. Oh. Est-ce que j'ai pas un moyen de me foutre une brûlure en vrai? Ah, punky rage. Ok. Ok, non, mais c'est à partir sur 9, 11, 12, 17. Alors, donc de loin, ça donne quoi? Donc, ça c'est le 17, 12. Et j'ai dit quoi? Et 9. Déjà, je veux pas prendre le 9 ni le 11. Ça va être entre le 12 et le 17. Je pense que je vais prendre le 12. Parce qu'il fait un peu plus grave quand même. Hein. Je vois des énormes points de suture là. Ah vraiment ça, ça cicatrise. Après, ça cicatrise littéralement, ça irait mieux avec mon pèlerinage, tu vois. Genre j'étais nulle part. Et j'avais pas de points de suture à faire, donc juste ça cicatrisait tout seul. Mais après, celui-là, c'est dire que j'ai un truc beaucoup plus grave aussi qui a requis. Comment on conjugue le verbe requis? Je requis, tu requis, le requis. Qui requis? Donc c'est qui requis? Je me suis perdu. J'en étais où? Oui, donc je me suis fait une blessure qui requis des soins intensifs et des points de suture. Je vais pas remarquer, marqué love. Oh, je sais pas, putain. 12 ou 17. 12 ou 17, gros. C'est la question. Je pense que je... Bon, je pense en vrai, on va partir sur la 17. Parce que même si c'est vrai... Oula, je me suis perdu. Même si c'est vrai que celui-là, du coup, il fait plus grave. Au final, est-ce qu'on serait pas une petite exception et on n'essayerait pas d'être un peu... Un minimum, je veux dire, joli. Hein? C'est pas interdit d'être joli dans Warhammer. Je veux dire, les sorts de bataille sont méga bonnes. Pas tous. Il y en a qui ont mangé très cher et qui sont dégueulasses. Mais il y en a qui sont encore très belles. Voilà. Déjà qu'elle est pas très belle, de base. Je veux dire, regardez là. Ah putain, je sais pas. Attends, va. J'ai un dé. Un dé. Chiffre pair, ça tombe sur 17, il ou mon dé. Et chiffre impair, ça va tomber sur le 12.
il est mon dé? J'avais un dé, putain, attends. Bah. Wait a goddamn minute, where is my dé? Il est là, c'est bon, je l'ai. Alors, j'avais dit quoi? Chiffre impair 12, chiffre pair 17, c'est ça? Bah non, vaut mieux faire l'inverse du coup, parce que 17 est impair. Donc impair 17 et pair 12, attention. 6! Bah putain, j'ai touché le gros lot, ça va être celui-là! Voilà. On revient une dernière fois notre madame pas trop esquintée. Super, merci. Allez, et enfin la taille, moi j'adore être grand. Parce que je suis petit, j'ai un complexe. Bon, pas non plus mettre très grand, faut pas non plus exagérer. Genre. Bah, je dis pas très grand, c'est déjà très grand. Oula, voix! Merde, attends, merde, c'est que ça lit le texte. Attends, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Stay, stop, stop. Without hope, there is... Anoint yourselves and heretic blood kindred. Warriors of the beneficent emperor, we shall prevail. Ça lit plus le merde, je crois que ça lit qu'une fois. In battle, shall we scourge the sins of our mortal flesh? Quail heretics. Have no fear, ah, pilgrims. Merde, je voulais écouter que leur voix. Ah merde, fais chier. Bon, tant pis, je vais lire moi-même. C'est dommage, je voulais que ça lise avec leur voix. Oh, je suis trop con, putain. Vos choix ont fait de vous la personne que vous êtes. Vous avez connu le bonheur, c'est vrai. Oh, bon, oui, peut-être. Je sais pas, je connais pas trop non plus, hein, c'est que j'ai eu qu'une seule vue générale. Mais vous gardez de nombreuses cicatrices, c'est vrai. Pas seulement physique, voilà ce que vous êtes aujourd'hui. La juge, sans espoir, la revanche n'a aucun but. Sans justice, les blessés se meurent tandis que les impies prospèrent. Qu'est-ce qui peut arrêter tout cela? La justice, plus que toute autre chose. Non, la justice, plus que tout autre, avec une virgule, plus que toute autre chose, était le don que l'empereur de l'humanité nous a légué. On dit pas je veillerai, avec le verbe veiller, pas voir. Je suis pas fort en français. Pourquoi je me pose la question? Je lis comme un con, Mathias, lis. Et je verrai à ce qu'elle soit appliquée aux quatre coins de l'Imperium. Mais ne vous me prenez pas, la justice est impartiale, et moi aussi, les corrompus devraient me craindre autant que les hérétiques ou que les traîtres. Effet de sélection, la personnalité de votre agent affecte la façon dont il réagit aux événements et aux rencontres. L'adepte. Without so much as a candle to hold that darkness at bay. It is the fate of some to pass from this life as mere kindling, whereas mine is to light the flame. And I see that I am needed in this place at this hour. For is it not said that if 10,000 feckless souls burn in the flames of perdition to awaken the fervor of one righteous man, then the emperor rejoices? Merci qui est en train de lire. Je me disais, putain, c'est long son dialogue, mais elle est en train de lire. J'ai vu le moment où elle lui dit. Without hope. Anoint you. In battle, shall we scourge the sins of our mortal flesh? On! Ouais, ils se remettent à lire au bout d'un moment. Il doit y avoir un chronomètre interne. Bref, donc l'agitateur, on verra. Alors, l'adepte, sans la foi, la vie n'est qu'une existence couvée par l'ombre ravageuse de l'hérésie, sans même une chandelle pour maintenir les ténèbres à distance. Le sort de certains est de servir de simple combustible. Le mien est d'allumer la flamme. Je corrige en même temps. Je vois aussi qu'on a besoin de moi. Ici et maintenant, ne dites pas que si 10 000 âmes inutiles brûlent dans les flammes de la damnation afin d'éveiller la ferveur d'un vertueux, l'empereur se réjouit. Si, c'est bien ça. Ne dit-on pas, j'ai oublié le dit-on pas. C'est vrai, ne dis pas que j'ai pas compris. J'ai oublié le nom. Ne dit-on pas que si 10 000 âmes inutiles brûlent dans les flammes de la damnation afin d'éveiller la ferveur d'un vertueux, l'empereur se réjouit. Ok, et enfin, l'agitateur, donc elle va lire son texte. Et donc moi je vais suivre. Good, I faith, imbeciles. The fight continues. Pas du tout. Je me suis fait baiser. Bon bah c'est pas grave. L'agitateur, c'est tout bonnement inacceptable. Je suis une élue, émissaire du maître de l'humanité. Je ne suis pas une quelconque criminelle qu'on peut mettre au fer, ni qui peut être tourmentée par des geôliers qui, pour être aimables, viennent des tréfonds de la société et par des bédés incompétents qui s'accrochent comme des sangsues aux barreaux les plus bas de l'échelle de l'humanité. Putain, au secours, c'est violent. Quant à mes crimes,
entre guillemets, ce bloc résidentiel baigné dans l'hérésie. Oh putain, ces citoyens n'étaient qu'une bande d'apostats et de paresseux. Les agents ayant refusé d'agir, qui étaient chanceux. Qu'est-ce que j'étais. J'ai fait un putain de génocide dans un bloc parce que les mecs ils se branlaient les couilles. Ok, d'accord. Alors l'adepte, en vrai je suis pas fan de la voix. Mais la voix, enfin la voix de la juge et de l'agitateur, j'adore, et aussi leur comportement. Je sais pas quoi prendre. Est-ce que je juge les gens comme si, parce qu'en fait au final l'agitateur il juge aussi et de manière vachement plus objective, subjective pardon. Objective ce serait la juge parce qu'elle est impartiale. Elle juge vraiment selon les actes et tout, et elle, tu te branles les couilles, tu meurs. Vous, vous branlez les couilles, vous mourrez, tu vois. Alors, à ma gueule, j'ai plus sa gueule de quoi. J'ai plus sa gueule d'un agitateur, mais parce qu'on aime la contradiction, je pense que je prends la juge. Mais ouais, je dis, t'as pas vous avez compris, non, mais on va prendre la juge. La juge me paraît vachement bien. Alors, votre sentence. Voilà où vous en êtes de votre parcours. À la merci de l'Imperium qui vous accuse d'un crime qu'il n'est pas certain que vous ayez commis, mais la culpabilité importe peu à ce stade. L'innocence ne prouve rien. Ah oui, d'accord. Foi mal placée. Non, jamais. Les personnalités importantes de la DGN sont si puissantes que l'on risque de la peine de mort si on attire leur colère en remettant en cause leur foi ou leur pratique mondaine. Ah non, c'est moi qui remets en cause avec la juge. C'est vachement bien, franchement. Donc peut-être que celui-là est bien. Mais vu qu'ils m'ont accusé de ça, même si c'est faux, j'ai pas envie d'être accusé de mauvaise foi. Vu que je suis une putain d'adepte, donc non. Manquement à votre devoir. Manquement à votre devoir. Le châtiment en cas de manquement à votre devoir est bien souvent la mort, mais dans certains cas, il est possible d'échapper à son jugement en s'engageant dans un bâtiment pénitentiaire au pire. Effectivement, tu as une casse à la jaune, tu as une casse à la verte. Rouge, j'aime bien. J'aime bien le rouge. Genre. Et insubordination, c'est toujours été mon kiff. Pas dans la vraie vie, mais vous avez compris. Insubordination, la désobéissance réelle ou sous-entendue envers l'autorité impérieuse du vie pour justifier la rétrogradation, la prison ou la mort. Sédition, tenue carcérale bleue. Un comportement ouvertement insurrectionnel allant discours irrévérencieux au rassemblement de masse dans le but de manifester est considéré comme faisant partie d'une tendance à la rébellion contre l'ordre établi. C'est quelque chose qu'un période ne peut tolérer. Il y a encore des manifs dans 44. Ils sont pas tous exécutés sur place. C'est ce que je pensais, moi. Je pensais vraiment que si des mecs sortaient avec un panneau, ce serait hérétique. Pas balle dans la tête, mort, plus de manif. Vu que je suis une juge impartiale, je vais pas prendre sédition. Parce que ça fait non. Foi mal placée, jamais. Manquement au devoir, bon, non, je pense à insubordination. Genre, le mec, tu sais, mon supérieur, c'était un... Genre, je sais pas, un hérétique, mais il avait du pouvoir. Personne l'a chopé. Et quand j'ai accusé d'hérésie, bah, c'est moi qu'on a foutu en tôle. Alors, j'ai essayé de le juger. Non, moi, ça me va. Et enfin, le nom de l'agent. Alors, d'habitude, je m'appelle toujours Anissa Okiris, dans tous les jeux. Mais vu qu'on est sur Warhammer, faut que je finisse en us, en mode de nom latin. Et Anissa, je peux pas trop le tourner, mais Okiri, je pense que je peux le tourner d'une certaine manière. Donc je trouve un nom avec Okiri. Vous naissez sur Moraes dans... Alors attends, je vais dire ça après, déjà un nom. Alors. Okirus, c'est un peu moche en vrai. Alors attends. Au pire, regarde. Je suis sûr, il y a forcément un générateur de noms 40k sur internet. Et puis je m'inspirerai. Je vais pas les prendre, sauf s'ils sont méga bien, mais. Générateur de noms. 40k. J'ai un tort de nom de Space Marine. Oui, bon, si tu veux. Bon, les Space Marines sont des gars, mais je peux m'en inspirer. Ok, oui, bah donne-moi. Samael. Ah non, je peux finir en L aussi. Arcanetus Trismetanus. Trismetanus. Vibiusus. Vibiusius. Enoldus Achiolaris. Bon, en fait, Okirus, c'est vachement facile. En fait, non, même pas, parce que je peux juste dire Okiris. Ça marche très bien, c'est fini en Is. Starkmoon, Jogavar, Garyak, Stoneblood, Oldak,
Ashield, Likao Kim Guillard, Angerus Reft, ouais. Bah, je vais garder Okiris. Est-ce qu'on. Alors. Juste, imaginons que je fasse. Attends. GGG, hop là. Est-ce que juste je peux mettre un. Oui, je peux mettre un espace. Moi, j'ai du caractère, donc ça va pas faire grand chose. Juste, quelle vie viciale d'Aliala. Oui, en fait. Non, mais je vais mettre Okiris, hein, ça marche très bien. En fait, ça marche très bien, Okiris. Oh. Pas Osiris. Osiris, c'est pour mon nom de mec. Okiris, voilà. Ça, c'est le nom de famille que je mets à mes personnages féminins. Parce que si je le mets au nom de personnage masculin, ça fait Osiris Okiris. C'est un peu bizarre. C'est un peu trop rapproché, je trouve. Et vu que je suis pas beaucoup de mecs, bon, voilà quoi. Je leur mets un nom de famille. Enfin, je leur mets pas de nom de famille. Ok, alors. Je m'appelle Okiris. Vous naissez sur mon. Ah non, j'ai. Attends, 18, 7, ça me laisse 11 caractères. Je pourrais faire un prénom en vrai si je veux. Non, c'est bon, je suis très bien comme ça. On va dire que mon prénom a été effacé de l'histoire, seul mon nom compte. Vous naissez sur Mornax. Dans votre jeunesse, vous étiez une sentinelle de tunnel de mine avec des tâches allant de la transmission de messages à la surveillance des éboulements. Voilà, donc c'est ça, c'est bien les. C'est les. Merde, c'est les scouts, les mecs de Rocco, quoi. À votre majorité, vous avez entrepris un long pèlerinage qui vous a permis de visiter plusieurs sanctuaires sacrés. Du domaine de Moebian. Un jour, vous avez entendu la voix de l'empereur dans votre tête, vous entendant de lui consacrer votre vie. Le problème n'est pas que vous n'ayez pas libéré le passage pour le magistrat. Le problème est que vous ne l'avez pas fait assez vite. Ah oui, carrément. Cela suffit pour décrocher un aller simple vers le faisceau prison, le bastion de Tancred. Vous étiez à bord du bastion de Tancred en route vers Atoma Prime. Ah oui, d'accord. Tu étais trop lent. En prison. Ok. Continuez. Faisiez l'agent. Oui. Que je vais faire le prologue, c'est parti. Le prologue, il me reste combien de temps pour faire le prologue? En un seul enregistrement 46, il me reste 15 minutes, je pense pas que je vais pouvoir le faire en 15 minutes. Je me souviens un peu du prologue. J'y ai pas joué mais j'avais regardé des lives dessus. Je m'arrêterai quand ce sera à 55 minutes, hein, c'est pas grave. Vous verrez pas la suite du prologue, c'est pas grave. Tant pis pour vous. Ou alors, juste je le fais pas en. Ou juste en. Au pire, je le fais pas en. Ça s'appelle en. I'll check for myself, merde! En vidéo. Ouais, mais ah, si, il y a des cinématiques. Mais si, on lui a coupé la langue, les yeux. No accidents. My master wants to interrogate him as soon as we reach the hive. Of course, ma'am. Upon my life. This one, however. Makes you wonder why we even bother shipping trash like that. Oh, oui. Tout de suite. Save a lot of data slate work just to process the execution notice now. What do you say, criminal? Shall I put you out of your misery? And ours, you worth. Be quiet. Well, nothing to say? This. Mistake. I am a loyal servant of the throne. But of course, I'll just let you out now then. Shame you'll never get to prove that. Ah bah peut-être que c'est fini. We're boarded! Catapult now! Ah! Les bombes enchaînées à quelqu'un? Ça sent le kamikaze ça! Ça va péter! Ça m'a fait chier, gueule. J'ai toutes mes lumières éteintes hein, dans ma chambre, hein, donc avoir une énorme explosion comme ça d'un coup dans ma gueule, ça a fait mal aux yeux. Ah, ils ont fait sortir le traître, c'est pas bien. Salaud! Bon. Et ben, au moins. Allez, fuyons! Et allons buter de l'hérétique!
Les gens me trouvent peut-être infidèle. Mais je sais plus que tout au monde que moi, je suis une fervente, fervente croyante de l'empereur. There are deputy on the brink of execution. But how to proceed? Barre d'endurance. Qui se vide assez vite, j'ai l'impression. Attends. Ouais, je sais, ça nique. Quand on met les nains, quoi. Viens, viens, approche. J'approche. Tous. Mange ta mère. Coup de pelle. Soldat Krieg, ça, je reconnais. Maintenez L2 pour bloquer, quoi. Attendez, ok. Ça prend de l'endurance, quand même. Tous. 1, 2, 3, 4. Ouais, genre, je peux courir à peu près. Je dis bien à peu près 6 secondes. Come at me, bitch! Ous! Ous! Non, par contre, la 106, je suis pas trop fan. Je t'avoue. La 106, c'est pas ça. La 106, c'est pas ça. Ah, c'est pas là qu'on fait là? Ah, bah si, c'est là. Attends. Complète, visée assistée, machin, machin, blabla. Ah! Adapter à utiliser les mécanismes de courbe appliquée lorsque vous utilisez une courbe de réponse non linéaire. C'est-à-dire courbe de... Mais c'est quoi une courbe de réponse? Hein, y a pas ça dans les autres jeux. Je sais pas ce que c'est une courbe de réponse. C'est genre... Plus... Ah oui, c'est genre... Plus je pousse mon joystick, plus ça va loin, genre. Je pense. Ah, sensibilité. On est, tu vas me doubler la sensibilité, même la tripler. Mais à 3. Alors, horizontal à distance, bah vu comment c'est lent, tu vas mettre à 2 pour tout ce qui est secondaire. Stabilité verticale, tu remets à 3. Tu mets à 2. Ouais, puis on fera après en sorte, on verra bien. C'est déjà un peu mieux, c'est peut-être même un peu trop rapide, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu trop rapide pour moi en vrai. Je pourrais jouer. J'ai une sensibilité qui est 3 fois pire sur Titanfall, mais Titanfall c'est différent, j'en ai besoin. Là, vu à mon avis, vu que c'est un beat'em all, j'aurais pas besoin de tourner très fort pour taper des gens. Donc, je vais plutôt mettre à 2.5. 2.5 ou 2 même. Pardon, rien. Au pire, on met ça à 1.5. Puis ça, on va mettre à genre 2. D'abord, on va regarder à 2, voir si c'est bien. Puis si c'est pas assez, je mettrai à 2.5. En vrai, ça. En vrai, 2 c'est bien. 2 c'est bien. 2 c'est bien, je suis satisfait. Quitter le bloc de cellules. Pas de truc. Je pense pas qu'il y ait des des trucs à collecter. Je sais pas comment, des collectibles. Vous avez chopé? Vous avez chopé les hérétiques? Oh putain, il est. Il essaie de s'échapper, il s'est fait enculer. Ah bah gros, Tu t'attends à quoi, gros? T'es dans vraiment... Tu vois, la grille est fermée, je sais même pas pourquoi t'as essayé. Le bastion de Tancred, confinement d'hérétique. C'est beau. Ah, on peut sauter. Bah, je teste pas mes boutons, j'aime bien quand. Au pire, vous testons rond. Je peux me. Ah, j'ai. Hop là, stop. 2 secondes. Merde, putain. Bon, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Putain, ma perso a parlé, j'ai pas écouté, je suis une salope. Bon, je regarderai ma. Bon, justement. Oh putain, ils sont enculés les machins. C'est ça. Ouh, il y a des. Ouh, des petits dashs. Je peux dasher combien de fois? D'accord. Devant, je peux pas dasher par devant, ça saute direct. Et des autres côtés, c'est pour dasher. Et puis si je veux sauter sur le côté, faut que je fasse un double. C'est un. Je croyais que ça me consommait de l'endurance, mais j'ai cru voir faux. J'ai cru voir faux, ça se dit pas. Je crois que j'ai mal vu. Déjà, c'était mieux, ça. Moi, parler français, oui, oui. Moi, parler français, très fort. Avec Charlie puissante. Ouais, come at me, bitch. Ous. Ous. Get down, bitch.
Mon jugement. Est impartial. Et je vous juge coupable d'hérésie. Voilà, merci. You are not. Vous ne valez rien. C'est à peu près le cas, oui, en effet. 55. Je pense, au pire, je ferai un deuxième enregistrement pour la fin. Parce que je pense pas qu'en 5 minutes, je pourrai faire le reste. Ouh, ça tire fort. Come here, biatch. Voilà. Je vous juge coupable d'hérésie. T'as tiré en haut, mais j'avais peur de me faire enculer, donc dans le doute. Ça scanne. Ça remarque pas que je suis un prisonnier. Ils ont pas une base de données avec l'esprit machine en mode toi ça se voit, t'en es un. Ouh, ça commence à. I shall not fear the Emperor protect. Je sais plus parler. The Emperor protect. Et mangez vos mères. Mange ta mère, toi. Mange ta mère. Come at me, bitch. Oh, parfait. Warrant, my good right hand is needed elsewhere. Ah oui, 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 oui. Je dois aller à un endroit où il y a plus d'hérétiques et de corrompus. Les traîtres et les renégats sont mes cibles. J'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. Ah, c'est Zola qui parle, c'est celle qu'il y avait dans l'intro. Enfin, je suis toujours dans l'intro, mais dans la cinématique en fait. J'ai un truc en bas là, et je sais pas ce que c'est, le petit crâne, symbolique, le petit crâne. Oh. Ah bah je crois que Zola est morte. Elle a l'air un petit peu canée. Avec le monsieur qui est devant là aussi. Ah non, il est encore en vie. She's alive! And well. Well, not well, but. Alive and fine? No, not fine. Calme ta joie, Zola. Je suis un fervent servant de l'empereur, moi. Great. The Emperor protect. You come for blood too, criminal. Oh putain, oui, c'est vrai que j'ai pas une gueule de porte-bonheur. je le vois comme ça. Si une meuf comme ça m'approche, je prendrais peur en premier. Hein. You said you were a loyal servant of the throne. I did. J'ai un fusil laser, ça va chier. Bon, c'est l'arme la plus pétée de l'univers, mais c'est déjà mieux qu'une pelle, je pense. Ah non, c'est pas un fusil à l'air. Oh oui, j'aime quand ça tire des trucs cinétiques comme ça. J'aime pas les lasers. Je sais que dans Warhammer c'est ultra puissant, mais j'aime pas les lasers. Hop. Reload. Oh putain, je recharge vite pour. Ouais, franchement, l'appel vaut mieux. En vrai, attends, je suis à 58 minutes 50, je vais arrêter l'enregistrement là et puis je vais reprendre tout.